Yuna Dufournet, 16 ans et demi, la sociétaire du club d'Avoine Beaumont est l'étoile montante de la gymnastique artistique féminine française. Championne d'Europe junior en 2008, elle a remporté 5 des 8 médailles françaises de la discipline aux Jeux méditerranéens 2009. En octobre dernier à Londres, au championnat du monde senior, elle a pris la médaille de bronze au saut de cheval et la 5e place du concours général individuel. Dans une semaine, elle disputera les championnats d'Europe avec de sérieuses ambitions. Bah, tout d'abord, faire une médaille par équipe. Ensuite, se qualifier sur un ou plusieurs agrès. J'aimerais bien les quatre, mais bon, après, on verra. Et pourquoi pas faire des médailles. Yonette, c'est son surnom, a un caractère bien trempé et une volonté d'acier. Elle compte bien poursuivre sa conquête du haut niveau. Selon Brotableau, le choix d'encadrement effectué par sa fédération. Elle va devoir se rendre à Birmingham sans son entraîneur habituel avec qui elle travaille 30 heures par semaine. Le passage précédent était mieux dans la phase 1, de redresser et de rentrer vite. C'est déstabilisant de ne pas avoir le même entraîneur, les mêmes repères. Les détails qui nous disent à l'entraînement ou pour nous rassurer en compétition, on les a pas. C'est une autre personne qui nous entraîne et qui connaît pas forcément nos faiblesses. C'est vrai que le moment important de l'athlète, c'est la compétition. Et là, c'est un championnat d'Europe, c'est une étape importante. Et c'est vrai qu'elle l'aurait préféré, elle l'a déjà dit, et nous aussi, on aurait préféré pouvoir l'accompagner. Yuna n'a pas vraiment de points faibles, les 4 agrès peuvent lui sourire, tout comme le concours général. Les championnats d'Europe se dérouleront du 28 avril au 2 mai.